L'actrice hollywoodienne Lily Rabb, qui a étudié à l'université Northwestern en même temps que Meghan Markle, a déclaré que la duchesse était « adorable » lorsqu'elle lui a fait visiter le campus. Une actrice hollywoodienne qui a étudié dans la même université que Meghan Markle a déclaré que la duchesse était adorable tout en lui faisant visiter le campus. La duchesse de Sussex a étudié à la meilleure université Northwestern de l'Illinois, tout comme l'actrice des American Horror Story Lily Rabb. Meghan était étudiante entre 1999 et 2003. Terminant un an avant l'obtention du diplôme de Lily et était une nerd du théâtre, a avoué avant de se frayer un chemin à la télévision et finalement dans la famille royale. Lily, qui a passé 10 ans à jouer différents rôles effrayants dans la série d'horreur Primé, a récemment partagé des souvenirs de ses années d'université et de la façon dont elle a rencontré Meghan pour la première fois. Elle a confié à 9 années, elle avait quelques années d'avance sur moi mais oui, nous avions, je crois, le même professeur de théâtre et nous nous sommes rencontrés. Assez tôt quand j'étais en première année. Notre professeur de théâtre m'a présenté qu'elle me montrerait les ficelles du métier et me montrerait un peu le campus, et elle était très adorable. Lily a dit qu'elle avait vu Meghan depuis leur première rencontre il y a 20 ans, mais a dit pas depuis un moment. Meghan a obtenu un baccalauréat et SAR conjoint en théâtre et relations internationales au prestigieux collège. J'ai toujours été la nerd du théâtre à la Northwestern University, a déclaré la duchesse à Marie-Claire en 2013. Je savais que je voulais faire du théâtre. Mais je détestais l'idée d'être ce cliché, une fille de la qui décide d'être actrice. Je voulais plus que ça, et j'avais toujours aimé la politique, alors Jai finit par changer complètement de spécialité, et par une double spécialisation en théâtre et relations internationales. Au cours de ma première année, j'avais terminé la plupart de mes crédits et Jai postulait pour un stage à l'ambassade des États-Unis. Jai donc finit par travailler à l'ambassade de Buenos Aires pendant quelques mois.